Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Doja Ndiaye, c'est parti. La marque de luxe du designer sénégalaise a hébergé son premier magasin éphémère à Bloomingdale's à San Francisco. Entrepreneur en série et artiste multidisciplinaire, Yara Bousso a sélectionné Bloomingdale's à San Francisco pour installer son premier magasin. Elle a été soutenue par Macy's, cela représente une étape importante pour l'ancienne négociante de Wall Street qui a quitté sa carrière dans la finance pour explorer les domaines des mathématiques, de l'éducation et du design. Diarra a récemment terminé sa maîtrise en enseignement des mathématiques à l'université Stanford et a décidé de devenir enseignante en mathématiques tout en structurant une marque de mode de vie contemporain consciente, Diarra Blue, autour de l'utilisation d'algorithmes mathématiques. La marque est désormais hébergée à Bloomingdale's, San Francisco, avec un studio et une salle d'exposition sur site où la création recevra un soutien pour développer son activité grâce aux ressources et au mentorat de cadres supérieurs de la Silicon Valley en finance, marketing, stratégie et opération dans le cadre du San Francisco incubateur de mode. La frange signe son grand retour. Voici quelques inspirations de coiffure pour les fêtes. Quand les célébrités et influenceuses n'adoptent pas les braids, elles se tournent aussi vers les coupes à frange. Longue, courte, sur le côté, bouclée ou dans le style rétro, la frange est considérée comme la grande tendance capillaire en 2019. Ayant le mérite d'être un grand classique, tout comme la coupe carrée, la frange se porte partout et c'est une coiffure indémodable que l'on pourrait revisiter encore et encore sans jamais se lasser. Mais avant de se lancer dans ce style, il faut absolument tenir compte de la forme de votre front. Voici quelques conseils. Si vous avez un petit front, n'optez surtout pas pour une frange longue et trop lourde qui couvre pratiquement les yeux. Misez plutôt sur du léger et du court. Cela vous évitera l'encombrement et vous aurez moins chaud. Visage long, par contre, vous pouvez y aller. Cela permettra de rééquilibrer le tout si vous ne vous sentez pas à l'aise. Pour finir, n'hésitez surtout pas à vous entourer de professionnels comme pour tout. Mieux vaut avoir affaire à un expert. Rendez-vous donc chez votre coiffeur visagiste. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Doja Ndiaye. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.